Alors, normalement, là c'est bon, là ma voix. Attends. Est-ce que. Là ma voix? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, c'est Stenmozy. Aujourd'hui, on se retrouve pour Démarre 1994. La deuxième partie, c'est la première partie en fait. Le jeu il s'est planté, la version Xbox s'est plantée. Là, c'est sur la version PS5 et la version où j'étais bloqué. Ça a avancé, ça n'a pas bloqué. Alors là, c'est la deuxième partie. Voilà, alors ça fait un bon moment que je n'ai pas fait la deuxième partie. Là, on va voir ce qu'il est bien ou pas. La première partie, elle est sur YouTube, je l'ai gardée pour l'instant, parce que j'ai repris juste après, alors elle n'a pas de perte. Voir la première partie et après regarder la deuxième partie. Si c'est le cas, vous aimez cette vidéo, laissez pas mal de pouces bleus et s'abonner pour la suite si les gens YouTube. Et là, on est sur Twitch. Appuie sur le bouton pour continuer. Vas-y. On va continuer la partie 2, vous voyez. Voilà. Voilà, dans la première partie, c'était ça qui a la version d'Xbox qui s'est plantée. En fait, je pouvais pas allumer l'électricité. Je pouvais rien faire parce qu'il y a eu un bug. Alors là, c'est la deuxième. C'est la deuxième partie. Après, j'ai pas avancé, je sais pas ce qui se passe. Je voulais faire en même temps avec vous. On va allumer la lumière. Alors, normalement, j'ai allumé l'électricité que vous avez besoin. Voilà, c'est la deuxième partie. J'aime pas ça. Ok. Alors, normalement, là, c'est bon, c'est ouvert. J'ai allumé l'électricité. Ouais, c'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert. Ok. C'est bon, mais j'ai usé un truc pour rien en fait. J'ai utilisé un truc pour rien, fait chier. C'est pas grave. Alors là, je l'ai pas fait, je le connais pas le jeu. Hein. Là, on peut entrer là. Ouais. Là, quoi par là? Là, on peut pas entrer? Non, on peut pas. Alors, c'est là-dedans. Ah oui, t'as des petits bonhommes aliens à taper dedans pour récupérer comme aurait dans Civil, quoi. Attends, est-ce que ma vie elle est là? Voilà, j'y prends quand même ma vie. Ok. On avait besoin de ça. Ok, là, il n'y a rien d'autre à récupérer, non. Il a pas un petit bonhomme là? Non, c'est en fait les petits bonhommes, c'est des petites années gris et on peut pas les voir en fait. On peut pas les voir. Il y a un truc qui brille là, non? Non. Alors là, on va retourner dans l'ascenseur pour mettre de l'essence. Non, un truc qui brille là, non? Voilà, le truc qui me dérange un petit peu, c'est quand on court en fait. Un cours bizarre. Ah, j'ai pas fouillé par là.
mitraillette. Il y a quoi là? Ah, on peut pas. Ah, voilà, bah c'est ça que je disais. Les petits bonhommes là. Ok. Alors, on en a un pas loin dehors, normalement. En fait, il faut bien les entendre, mais hey, quand un coup a fait du bruit, alors. C'est ça en fait le truc. Ah, je le sens mal là. Ah mais elle court même pas cette conne. Elle court lentement, putain, j'ai perdu, ça y est. En plus t'as des défis à faire en fait. Faut pas perdre, mais elle, elle court même pas aussi. Putain. Là, là, un truc à récupérer, ça. Ah, ben, non, je l'ai récupéré. Ok. En fait, il faut faire le tour sans mourir pour débloquer les armes illimitées, tout ça, quoi. You there, wait up. Ok, alors là, faut faire attention parce qu'on sait pas où. Faut tuer le gros truc là, à la con là, avec ses épines de merde. Puis en plus j'ai pas de grenade, je fais comment pour tuer ça? Oh putain! Ah, fait chier lui. Ah, j'ai plus de balles de fusée à pompe. C'est un truc de dingue, le jeu est des trucs de dingue quoi. En fait, le truc. Attends.
Je peux pas changer, attends. La sensibilité, parce que là, c'est un truc de dingue. Attends, c'est haut. Non. Non, je peux pas changer par... Okay. On descend, ok. Ok. Une petite sauvegarde en cours, là, c'est pas mal. Ah, il peut donner quand même les... Ok. Ah, à quel côté? On va passer par là. N'a pas un truc là ou pas? Celle-là, ça fait combien de temps que je joue? Ouais. Ça va sortir à peu près. Je sais pas combien de temps qu'il va durer. Ah, c'est chelou comme jeu, ouais. Ok. Ah ok, bon en fait j'ai fait demi-tour. Ok, vas-y. Ah ça on peut les péter. Ok. Là c'est le truc, je sais pas où je vais. Y a quoi par là? Ah, un truc. Ah, ok, vas-y. Ok, vas-y. Là, on va faire ça. Ok, bah, on va faire... Voilà, ça donne un petit... Ah, c'est pas mal ça. J'ai débloqué un nouveau truc. De quoi par là? Ah ouais, mais c'est énorme ce truc. Ah, d'accord, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure en fait. Ah, ok, alors c'est l'autre côté. Il était pas lui tout à l'heure. Ah non, il était pas. Vas-y. Ils ont découvert quelque chose, puis ça a mal tourné.
Ah, j'ai plus de balles de fusée à pompe. En fait, le fusée à pompe, il est super puissant. Il y a un truc là-bas. C'est sûr qu'il y aura des méchants là. Je le sens. Ah non. Isn't easy to get to. You're going to have to give it more than your best. I can't keep this bird in the air much longer. Damn. Alors, on va fouiller un peu quand même. On peut pas monter là-dedans. Non, c'est un peu dommage. Non, il n'y a pas de. Il y a un truc là. Non, même pas. C'est un truc qui brille, mais on peut pas le prendre. Alors j'aime bien le fusil à pompe parce qu'il est très 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 puissant. Alors j'espère qu'on peut aller dans la ville. J'ai chaud. Ah, oh, fais chier, allez non, elle a... Bah, je fais comment là? Bah j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Merde. Bah ça fait rien son truc. Putain! Ah, il donne pas de balles? Je fais comment pour Ah oui là. Putain. Ah
Wow. Ah, quand t'as pas de balle, c'est chaud, hein. Ah, on peut pas rentrer, ok. Allez, allez. What the hell is that thing? This? It's a long story. Vulcan's coming for the extraction. I recovered. This. You managed to get a hold of it. Don't act so surprised. On the contrary, that's why you're here. I knew you wouldn't let me down. Well done. The storm is getting worse. Can you walk? Sir. You were in Iraq, weren't you, Reyes? Yes, sir. So, you know that sometimes it's necessary to burn an oil well in order to avoid it falling into enemy hands. I've known Gora since 83. He was a hot-headed kid. He had already made a name for himself through his dedication, his initiative. But people like us, Reyes, we understand that whoever looks to war as a solution ends up being consumed by it. Was he the one that wounded you? Yeah. I tried to stop, but that kid has what it takes. He's always had it. Listen, Gora has no intention of reporting to the president. He only believes in himself now. If the research ends up in his hands, God only knows who will get hold of it. With all due respect, sir, to hell with Gora. Let's get that out of here as soon as possible. This is far from over. I have other orders. Do you know where this comes from? Down there is one of the most advanced experimentation centers on the planet. They call it the Castle. It stretches miles underground. Operation Sandcastle was launched to stop Section 8 finding it. But I failed. Why did you tell us anything? Do you have any idea how important this is? We're talking about the most dangerous technology on the face of the Earth! I had my suspicions. Reyes, think. Look around you. That data can't be allowed to leave here. We have to reach the depths of the laboratory before Gora does, and destroy it forever. Those are my orders. But maybe we can... That server must be destroyed, Reyes, or the whole world will burn. You have to understand, the Department of Defense can't trust anyone with this, not even Hades. Earlier, I found a dead Hades agent. He was wearing this. Then you know, there must be Hades operatives outside my command. It was someone I'd never seen before. There must be infiltrators. I don't know who's commanding. Where's Radek? Exactly where you left him. He's wounded. He couldn't carry on. Where I left him? He was the one who left me. What? In the middle of the fight with Section 8. Apparently, Radek also has a price. That's not possible. I know Radek. He can't have betrayed us. So where the hell did he go? That's always been your weak spot, Reyes.
presuming you know better. I locked him in a warehouse. I checked his position not long ago. Great. But I doubt he's still there. We'll have to watch out for him, too. It's just the two of us now. There's no time to waste. You'll have to complete the mission in my place. You can reach the underground facility through this ventilation shaft. I'll make sure the briefcase gets out in one piece. Then we'll go back to retrieve Radek. The Major owes us an explanation. That scientist. He was babbling about matter transfer experiments. Basically a teleporter. Do you know anything about that? What are those creatures, sir? That's just the tip of the iceberg, kid. Down there, there's so much more. And it needs to stay there. Commander, enough with the ambiguity. I'm ready to do what it takes, but I need to know what I'm heading into. Listen, I don't have the full picture. That technology originated... Okay. Come in. Please, where are you? I'm still hovering. God knows how. There's no time left. I can't land in these conditions. Vulcan. Listen to me. Foster is dead. What? What the fuck are you saying? What happened? They shot him. Right in front of me. That's impossible. Fuck. Who was it? I don't know. Vulcan, the situation is far worse than we could have imagined. Foster gave me one last order. I have to go down. I'm so screwed. Ah, non, non, non. Ok. Monter, ok. Bah, je vais où moi? Ah, là, ok. Il y aura un truc qui va se passer. Ok. Alors là, c'est chaud quand même. Un truc là-bas. Ah bah ouais, déjà je peux pas descendre. Oui. Là faut faire attention, imagine je tombe. Je tombe, je me fais couper la tête. Merde, moi j'appuie dessus. Attends, il a pas. Ah, il a du temps. Ah, il a du temps. Non mais c'est dingue.
Dépêche! Ah ouais, j'ai eu chaud quand même, j'ai eu chaud. La TD de balle à récupérer là? Non, même pas. Alors normalement, faut refaire la même chose. Alors, il est où le truc? Ah, c'est là-bas. J'aurai pas assez le temps en fait pour descendre. J'aurai pas assez le temps. Oh, attends, y'a pas des trucs à récupérer? Ah! T'as 5 minutes de plus. Ça, c'est donc 5 secondes de plus. Ouais, ça va trop vite, c'est impossible. C'est pas possible. T'as vu le temps qu'il donne? Mais il fout de ma gueule là ou quoi? Ok, et l'autre truc il est où? Là-bas. Ouais, il est là-bas, ok. Mais je fais comment pour descendre? Ok. Parce que là, c'est là, je peux pas descendre. Il donne des balles, c'est pourquoi faire. Non, j'ai cru que on pouvait tirer dessus. Ok. Alors là, il me fout de ma gueule, c'est con là ou quoi? Je fais comment? Ok, c'est encore une petite énigme à la con. Je suis sûr le truc il est pas facile à faire, je sais pas. Peut-être tirer dessus. Ah! Il a pas vu qu'il avait le feu, ok. Ah, j'espère qu'on peut aller dans la ville. C'est un truc, ça me plairait beaucoup. Avoir des zombies dans la ville, c'est pas mal ça. Ok. Looks like blood. On dirait du sang. Ok. Allez. Oh, this for you. What are you? Il doit y avoir des ennemis là-dedans. Il n'y a rien d'autre là. Lui, il va se réveiller ce con-là. Non, c'est bon. Je crois que j'avais attendu un truc d'alien. Ah, j'espère qu'il aura pas de... une grosse carrière. Ah ouais, il met ça, c'est même pas la peine. Il y aura des... des créatures à la con.
Y'a pas un truc là? Non. Alors, ah oui. Il me reste plus qu'une balle de fusil à pompe. Là-bas. Ah, y'a pas grand chose. Hein. Elle a pas grand chose. Putain, il a rien loin. Un truc là. Il a pas de balle? Non. Non, il a pas de balle. J'espère qu'on va aller dans la ville. Ça va être cool ça. Hey, stop! It can't be. That looks like... No, it's impossible. Ah ouais, moi je fouille un peu pour donner... pour avoir des balles ou de fusil à pompe, parce que ça t'intéresse. Normalement, elle a rien là. Non. Bah là on descend. Ah ok. C'était des trucs... Ah rien, voilà. C'est la lumière qui clignote ou... il y a un petit bonhomme d'alien quelque part. Là, c'est bizarre, on n'est pas dehors. Vas-y. Ok. J'ai pas le... Non, j'ai plus de balle de fusil à pompe, c'est un peu la merde. On va prendre les balles de fusil à pompe. Hein. Ok.
Là, il y a des balles. Merde. J'ai usé mon truc pour rien. Ok, vas-y. Il y a un truc là. Ok, on a récupéré un mastagaz. Ok, je vais améliorer. C'est quoi ça? Améliorer quoi? Ouais. Ouais. Ah, ça va pas trop faire. Ok, attends. Il est où le cas là. Il est où l'autre? Après, c'est quoi? C'est 8. Il est où le 8? Il est là. Bah, c'est débile leur truc ou quoi? Bon, vas-y, merde. Oh, j'ai pas le temps de le faire et ça va mettre du temps. Ok, sympa. Follow me. Follow me, my ass. Who the hell are you? That suit. Are you with Hades? Your questions. Attends, il dit suivez-moi, mais attends, faut que je fouille. But you're right. The shadow of our Lord Hades is rapidly spreading over this place. So the time has come for us Hades to make a choice. Look, I've had enough of your bullshit. What kind of game are you playing in this goddamn asylum? It's fucking absurd. What did you do to me in that room? You better answer, or else. Or else what? You forget that I just saved your life. This is not the time for answers. Now follow me, and when you are ready, you will understand. It even has its own transportation system. How big is this place? Hey, you... Aptum. You can call me Aptum. What the fuck? Ah, on va aller dans le train. Ça va être pas mal, ça. Impatience is clouding your mind. At the end of this glorious day, you will thank me. Prepare yourself for what is to come. Yeah, sure. Enough already. Tell me where we are. Home. I'm sick of your bullshit. Like, fuck, I'll follow you in there. What do you want from me? Do you know Roddick? Hey, are you listening to me? You still don't understand. Don't take another step. Ne bouge pas. Ou t'approches pas, c'est pareil. Did you think I didn't know? You are not worthy to carry it. None of us are.
Oh merde. Ah putain, mais le con, putain. Non mais c'est sérieux là. C'est la fille qui était dans son placard dans le début, dans le premier épisode. Everyone said you were dead. I kept looking for you, and here we are. I've been waiting for you, Reis. Don't call me that. Stop. Get away. Ok, alors attends, je vais fouiller un petit peu le... Demande. Strange. Je sens mal avec les... Maybe it's because of your uniform. Did you find a new girlfriend? Shh, be quiet. Under normal circumstances, Hades aren't welcome here. But Aptum has always helped us out, so... We'll make an exception for his sake. And you might have your uses as well. Fuck you. Leave me alone. Watch your mouth. We see and hear everything. We've been locked up in here for so long. As our guest, you should show some humility. She should leave, right? Do you want to go? No, Doctor. Then be quiet. Come and join us, okay. My dear Hades. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette zone, mais pas mal de dégâts, quoi. Pas mal de dégâts. Ils sont sérieux ? Ouais. J'ai vu un train, un truc comme ça, on va aller dedans. Mais sérieux, il est où le train? Il m'emmène où lui ce con? Oh, ça c'est un truc de combat ça. Hey, hey you, over here, look. Ah ici, regarde. There you are. You're pretty slow for one of those. Oh non, c'est quoi encore ces zones de merde? Doctor.
Adventure, to be precise. And you're the new arrival. How are you feeling? Actually, I don't care. The only thing that matters to me is getting out of here. We're stuck in this room. Would you help us, dear? Why should I help you? Well, because otherwise you'll rot in here too. C'est sûr, faut l'éteindre avec le feu, avec la main. We have total control of the entire facility from this room. So, I could let you out whenever I want. I just need a little convincing. Okay. Let's say I believe you. What do you want in return? I've got news for you. We're short of oxygen. We need to reactivate the ventilation system before we all move on to a better life. We tried praying, but that didn't work. So much for being in total control. Touché. Anyway, you scratch my back, and I'll scratch yours. You'll have to get to the technical area. We tried before, but nobody made it back. Now, we've run out of volunteers. But don't worry. I'll guide you. I guess I don't have a choice. That was easier than I anticipated. The Hades I remember were a little less compliant. Ça, c'est une salle de combat, ça. Une arène, quoi. On va mourir. The main entrance to the maintenance area is blocked. You can't get in from there. Non, ils sont sérieux là. Attends, il a pas du. Non, il a pas de balle. Ok, là c'est la cuisine. Voilà, je sens mal. Donne des balles de fusil à pompe, c'est pas bon signe. Ça me surveille. Là, il donne pas mal de balles. Là, un truc. On a un truc qui va se passer là. Heard
Ok. Ok. J'ai réussi à enlever un. Ok. Quoi? J'ai tué visé dessus, foiré. Merde, ça. C'est chaud ici, hein. Y'a quoi par là? Là, y'a rien. Non, dans le truc de sauvegarde, il met un petit zombie, quoi. Ah, vas-y. C'est quand on va dans la ville? Ah, j'espère qu'on va aller, on va aller dans la ville. Ici, il y a un truc qui s'est passé et puis ça... Tout déglingué, quoi. Tout le monde s'en va. C'est dans le premier, genre 94, en 98, on peut aller dans la ville. Ça, c'était pas mal. Ok, ça c'est fait.
Ah, j'adore le fusil à pompe, très 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 puissant. Hein. Il a pas un autre truc là? Non, on peut pas passer. La lingerie. Ok, il y a un petit. Alors là, il y aura des zombies, c'est sûr. C'est quoi ça? Pas trop bien compris en fait. C'est pas dans l'ordre. Fous de ma gueule ou quoi? Ah, ok. Alors, le 2, il y a 3. Alors, 1, 2, 3. Ok. 1. Alors, 1 en face. 2 en face aussi. 3 sur le. Ouais, ok. Alors, ça fait. Alors, ça fait 1. Là. Ok. Normalement, le 2, il est. Par là, le 2 il est par là, le 3 il est ici, normalement c'est ici le 3, et le 4 il est le en face, il est en face le 4. No, wrong order. Bah il fout de ma gueule, ça donc. Alors ça c'est le 1. Je vais faire à l'envers. Le 1. Le 2. Alors, tant que le truc il est comme ça. Si tu dis comme ça, le 3 il est par là. Alors, là, un truc qui cloche. Ah, attends. Je vais prendre en photo, ça va être super simple. Attendez. Voilà. Ok. Là, t'arrives là. En fait, t'arrives là. Ok. Là, t'arrives là. Le 1, il est là. Le 2, il est en face. Le 2, il est en face. Ou soit c'est par là. Soit c'est par là. Le 2 en face. Là c'est le 3. Il est par là. Et soit c'est le côté. On va essayer comme ça après. Et le 4 il est en face. Normalement. Si c'est pas ça, je vais faire l'envers. C'est bon. Can you hear me? The ventilation system has started working again. Incredible! You saved us! You can't be Hades. Cut the crap. You owe me an explanation. You've earned our trust, dear. Join us. We have much to discuss. Ok, il a ouvert quoi? Retrouver, voir le docteur. Attends, il m'a ouvert quoi déjà? Attends. Faut que je retourne là? Mais j'ai pas de carte, j'ai rien du tout, je fais comment? Déjà, je peux pas entrer là. Alors.
Faut que je retourne par ici alors. Là il a ouvert. Ouais il a ouvert. Attends. Ah bah oui la grille elle est là. Ok. Ok. Ah il donne des trucs comme ça, c'est pas bon. Il donne des balles, c'est pas bon. Des balles, des soins. Faut que je retente pas. Foire de merde. Ici, non? Attends, il me dit retourner voir le docteur. En plus, j'ai pas de carte, rien du tout. Je fais comment pour. Ah ouais, ok. Complete purification will take a few more minutes. You'd better keep that mask on until it's finished. You promised me an explanation. And you'll get one. You've earned it. Then let's start with those abominations you created. We didn't create a damn thing. We were the global elite of scientific research. Too bad about the Nobel Prize. Maybe next time? Ha! Do you understand what you've done? Do you think I don't know? This is why we're in the sanctuary now. We have to serve our sentence. While you serve your sentence, the risk of these things getting out is too damn high. But you don't understand. That's not the point. So tell me! It's a long story. It all started in the 1950s, when U.S. Progress was running the Abyss Scan Program. Before you were born, we were already building your future for the progress of humanity. Enough with the history lesson. What were you looking for? Life, of course. Organic life forms that had never been classified. A goldmine of genetic and biochemical research with unbridled potential. That was how
how we discovered Ram 77, a mysterious new alloy. Wait, you're talking about that strange metal. Strange, you say? I would say revolutionary. It never registered on our detectors. The government initiated Project Hoax, using it to construct military aircraft capable of going undetected by enemy forces. Aircraft that are invisible to radar. Well, if the Cold War had heated up, they would have come in handy, right? So everything in those hangars... That was just a facade, my dear girl. We still hadn't understood the true potential of Ram 77. The more we investigated, the more we realized that this alloy would change our understanding of the nature of reality itself. The stakes were rising, and then you turned up. Hexacore. What? Don't be so surprised. We know the truth. Oh, don't tell me you don't know who you really work for. Hexacore stole everything from us. Hades watched our every move. But we at U.S. Progress are the true pioneers of molecular transfer theory. Without us, those incompetents wouldn't have gotten anywhere. I didn't know anything about it. Nobody knew. Some knowledge is best kept hidden from the rest of the world. That's why they built an underground city. We had to disappear with our families and leave everything. To live only for research, living underground, deep within the earth, in the abyss. The world would achieve enlightenment through our sacrifice. He sacrifices so much. He still hasn't forgiven us. We did it for him. They forced us. They made us do it. Who? Who are you talking about? We didn't want to. I swear, it wasn't our fault. Please, calm down. I just want to understand. You? No. You have condemned us. What? I don't. Shut up. C'est toi. You pay for what you've done. I'm gonna give you a taste of your own medicine, you crazy bitch. I need to shoot those pylons. Ah, oh, mais merde! Ah, mais j'ai plus de balles! Thank you.
Oh, il m'emmerde, hein, sérieux. C'est bon ou pas? Ah, ça marche pas. Ah, j'étais dessus. Ah, putain. C'est un truc de dingue. Ouais, j'étais sûr. Sérieux, c'est... Ah, il faut faire quoi là? Ok, derrière. Oh, ça m'emmerde, sérieux. Mais je comprends pas là. Attends, il y a un truc là. Putain, c'était ça. C'était ça depuis tout à l'heure. Oh putain, je me suis cassé le cul pour rien. The control panel survived.
Time to get out of here. Ok, il n'a pas une petite sauvegarde là? Ah. Allez. Salut, on va finir cette partie là et il va y avoir une rediffusion sur YouTube et nous on se retrouve pour la suite bientôt, ça va sortir je sais pas quand, et on continue sur Twitch, ceux qui veulent nous rejoindre, c'est parti.